Bienvenue sur notre chaîne Eden Productions. Vous êtes en direct avec Adrien Kalamba, directeur de programmation à Eden Productions Canada. Nous vous présentons aujourd'hui la réalité de la ville de Kananga. Lors de notre visite en février dernier 2010, nous avons eu l'occasion d'être reçus par Madame le maire de la ville de Kananga, Dr. Antoinette Kapinga, qui a eu l'occasion de nous faire visiter certains sites stratégiques de la ville de Kananga, dont est là le souci d'avoir des investisseurs de bonne volonté de venir aider ou reconstruire cette ville. Comme vous le savez aujourd'hui, le Congo est en stabilité politique. Madame le maire, Docteur Antoinette Kapinga, a le grand souci et est en train de faire de son mieux pour pouvoir reconstruire cette ville. Avec l'aide du gouvernement actuel en place, nous avons pu visiter 3 sites dont elle a vraiment besoin que ce soit la priorité pour la reconstruction de cette ville. Nous sommes allés d'abord visiter le grand marché de Kananga, qui fut un marché exemplaire où tout le monde allait pour acheter ce qu'ils avaient besoin. C'était un marché moderne et aujourd'hui tout est à reconstruire. Comme vous pouvez le remarquer, notre visite a été accompagnée par une délégation de la ville de Kananga et nous avons reçu un accueil très chaleureux par toutes les mamans
du marché. Selon la culture, il y a eu des chansons qui accompagnaient cette visite, bien sûr, en applaudissant les bienfaits que Madame le maire de la ville a fait jusque-là pour cette ville. Thank you.
C'est l'original. On ne peut plus voir ça. On voit déjà que c'est une merveille. Ensuite, Madame le maire de la ville de Kananga nous a amenés jusqu'à l'école technique et professionnelle de Katoka. C'est l'État qui a voulu venir. Qu'est-ce que nous devons faire? Ça va venir maintenant? Non, moi, ça, il me semble qu'ils vont arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la messe. C'est comme les amis qui viennent nous aider à faire le salon noir, oui? Je vais passer à l'œuvre. Vous dépendez de quelle sous-division? Maman Tunuma. Maman Tunuma. Mais oui, c'est qu'un amateur. C'est qu'un écrivain à Maman Tunuma. La sous-division de la sous-division. Il y a une personne qui le suit. Il y a personne qui le suit. Il y a le préfet n'est pas encore arrivé. Il y a pas de professeur. Il y a professeur. Ils peuvent se blesser, mais chez nous, vous avez les gens qui ont des idées de travail. Et tous les professeurs sont là. Je leur dis, ils terminent l'encadrement, ils font de la présence physique, et puis ils partent à la maison. Je t'en appelle à vous.